yo. Le practicien. Le réel. Tu veux qu'on en parle du réel? On lui a radicalement tourné le dos en entrant dans ce nouveau siècle. Hashtag Révolution 3. Nous sommes au royaume du vent et de la foutaise. Me flare prendre la plume, car y'a pas d'homme à clasher. J'écris un soir brumeux car ma vision de l'avenir est tachée. J'passe de la 16 à la 1, la panique est imprimée. Alors j'm'enferme dans ce truc, voilà ce qui m'empêche de déprimer. J'perçois l'agressivité nous assaillir, alors que dans les faits ce sont les bases de la Bastille qui s'effrite. On veut tous tour d'ivoire, ne plus être mais avoir. On se perçoit de tant de choses, ouais j'aimerais bien t'y voir. Les imbéciles subissent mais ignorent le supplice, alors que le sachant se meurt seul tout dans sa tristesse. Alors on réprime les vices pour mieux tirer les ficelles. Vice, le bonheur spirituel ne se consomme pas dans un sachet. Je vois nos débats qui deviennent stériles. Le barbuck, nouveau combat féministe. Quand j'entends ça, ouais, je deviens hystérique. Mais quand on cherche à parler de la TVA, des serviettes hygiéniques, nos députés font marche arrière et là se désistent. Les débattements sont voilés, mais la merde fait du topless. Y'a plus de médias en Inde et c'est là que je me dis que mon pays régresse. On va baisser la température dans les classes de nos gamins. Car Bruno fait de la merde, mais en qui un deuxième mandat. Y'a pas que la politique, aussi cette salope de Magali Berda. Influence dans tous ces petits que l'on enfanta. Depuis Dubaï, comment te sens-tu? T'exportes nos capitaux de nos enfants, t'es trop proche, la sagesse est une vertu. Alors je condamne OnlyFans, Netflix, les chaînes nationales. Je mets tout dans le même bateau car on a bruti pour le pouvoir. J'en plus une pour mes cassures, on banalise des bravures. On ressent trop la fracture quand l'État envoie la facture. Je vise la une, par un texte autobiographique. Peu festif, les récits sont trop souvent rhétoriques. Je reste fidèle à la bomba, comme l'État est devenu laïque. Comme match distribue des claques comme l'État aux mesures drastiques. On me dit que la critique est un art facile, mais les laisser faire c'est cautionner leurs mesures fascistes. Mais je suis de vice, pourquoi tu parles des pas assez éduqués? Il paraît que le peuple est sachant. Lorsque dernier est acculé, allez tous vous faire enculer. Non, je ne vise pas la tendresse comme un 4-9-3 assumé. Comme cautionné d'élite faciès. Pas notre osée se consumer, les impôts ne font pas de caresses. L'État est une pute aussi trash que celle de Bucarest. La vie devient un casse-tête, j'emmerde l'État son cartel. J'vois trop de pauvres qui s'endettent, nos finances tarissent. Mec, j'te crache ça en one shot, un seul but c'est de choquer. Pendant que tu te fumes une clope, moi je tape sur mes showcases. Alors j'enchaîne les textes, ouais. Je reste focus, j'essaie de rester en retrait et d'esquiver les faux culs. Mais faut qu'on se bouge, frère. Alors accueille mon laus. Les mois prochains seront ternes, alors viens, on fait blocus. On se fera insulter, être complotiste. Qui comptait, est-ce qui confirme que l'info se conscientise à travers les médias pervertis? On nous parle d'écologie, sans faire fi de l'économie. Pas l'hiverne, les calomnies, désespoir ou optimisme. On se fait manipuler, je sais que c'est facile de dire, mais face à tant de propos qui dérivent, non, y'a plus à douter. Exclure les immigrés, rester entre indigènes. Ne plus procréer, enfanter pour protéger la planète. Pendant qu'on nous parle de potentiel conflit nucléaire, les putes veulent un numéro de sécu et une fiche de salaire. L'Allemagne qui se diverte avec sa mine à ciel ouvert. Les Rohingyas acculés à la frontière du Bangladesh. Les anti-nucléaires qui vivent d'amour et d'eau fraîche. Le Black Friday, le hijab ou le topless, ça devient extrême. Hashtag Révolution 3.